Comment utiliser un test de grossesse? La question de savoir si vous êtes enceinte ou non est souvent l'une des questions les plus excitantes, anxieuses et stressantes qui affectent non seulement votre santé, mais aussi votre vie. Il existe différents types de tests de grossesse sur le marché, ou disponibles auprès de votre prestataire de soins de santé primaire. En général, les étapes de l'utilisation d'un test de grossesse sont assez simples et peuvent être effectuées dans le confort de votre propre maison. Cependant, les résultats d'un test de grossesse à domicile doivent toujours être confirmés par un test sanguin effectué par votre médecin traitant. La méthode de test de grossesse de loin la plus utilisée est celle qui utilise l'urine pour détecter l'hormone associée à la grossesse. Cette hormone est déclenchée lorsqu'un embryon s'implante dans la paroi utérine, mais elle peut aussi être produite si un embryon s'implante par erreur dans les trompes de Fallope, c'est ce qu'on appelle une grossesse tubaire ectopique. Il existe deux types différents de tests de grossesse. Le premier type peut donner des résultats plus précis, mais peut s'avérer trop compliqué. Un gobelet est prévu pour recueillir l'urine, puis l'urine est recueillie et un bâtonnet spécial ou un autre dispositif est inséré dans l'urine. Parfois, le bâtonnet ou le dispositif est plongé directement dans le gobelet rempli d'urine pendant un certain temps. D'autres fois, un petit compte-goutte est fourni pour effectuer une version plus précise du même test. Bien que cette méthode de test d'urine puisse être plus précise, les dispositifs destinés à recueillir l'urine au milieu du flux sont les plus populaires. Ces bâtonnets sont généralement en vente libre dans votre pharmacie ou votre épicerie locale et peuvent être réalisés en quelques secondes. Au lieu d'un projet plus scientifique, ce type de test de grossesse basé sur l'urine est préféré par les femmes en raison de l'absence d'étapes. Il suffit de maintenir le bâtonnet dans un jet d'urine pendant un laps de temps déterminé, généralement quelques secondes, puis d'attendre les résultats. Contrairement aux bâtonnets qui sont plus difficiles à lire, il y a quelques entreprises qui ont maintenant des modèles sur le marché qui ont un système de lecture numérique. Il existe également des modèles qui vous permettent de déterminer si vous êtes enceinte ou non beaucoup plus rapidement que les tests traditionnels à domicile. Pour un test plus précis permettant de détecter si vous êtes enceinte ou non, il est préférable d'effectuer un test urinaire. Ce test doit être effectué dans le cabinet de votre médecin et nécessite une prise de sang de quelques flacons. Une fois le sang prélevé, des tests sont effectués pour détecter la présence et la quantité de l'hormone associée à la grossesse. N'oubliez pas que vous devez toujours effectuer un test sanguin après avoir reçu une lecture positive d'un test urinaire de grossesse à domicile. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, laissez un commentaire et partagez-la avec vos amis. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé. Pour plus de conseils en matière de nutrition, de santé et de beauté, veuillez vous abonner à notre chaîne.